La beauté avec le changement d'heure, c'est que pour nous autres, il est quand même assez tard. Puis ici, ben, c'est le lever du soleil. Fait qu'on va aller voir le canyon quand le soleil vient de se lever. Jeanne, fais-tu froid ce matin? Il y a un petit vent. Fait qu'on va aller voir qu'est-ce que ça a l'air le Grand Canyon le matin. On va faire une intro ici. C'était quoi? Comment elle s'appelait? Kim Trail. La Kim? La Kim? Kim, whatever. C'est elle. On est dessus. Hein? Oui. Ouais, c'est un peu nuageux ce matin, mais quand même, là, c'est magnifique. C'est incroyable. C'est à perte de vue. Hein, Jen? Qu'est-ce que t'en penses? Il mouille un petit peu aussi. Ouais, il y a eu des petites gouttes, mais c'est fini. C'est juste pour refroidir tout le monde. Ouais. Jen, c'est quoi notre planning aujourd'hui? Fait que notre planning aujourd'hui, c'est qu'on va aller chercher un café, parce que Jennifer a besoin d'un café. Puis après ça, s'il peut faire quand même beau, on va faire un petit bout de la trail qui longe le Grand Canyon. Puis après ça, on est direction Los Angeles. Californie. Yes, mais baby. On a un petit stop à faire. Bonne journée tout le monde! Bye! On a pogné une petite table pour déjeuner au El Tovar Hotel avec Jen. On regarde la vue en arrière. Hein? On a quand même une vue sur le Grand Canyon juste en arrière. Hein? C'est magnifique. Un beau restaurant. Fait qu'il est 8h... il est 7h30, heure du Pacifique. Donc, au Québec, il est 10h30. Fait qu'il est encore tôt le matin. On vient de manger. Il fait pas chaud. Il fait pas chaud, mais regardez le paysage qu'on a. Ça réchauffe. C'est merveilleux. On peut pas se tanner d'une vue comme ça. Si tu peux pas te tanner de ça, tu pourrais passer ta vie juste ici à regarder. C'est magnifique. J'avais demandé à Jen de me filmer à côté de mon premier cactus qui est un peu décevant. Là. J'aurais aimé ça un plus gros, mais regarde. Touchez pas! Au! Si les chansons, on va en avoir deux, trois plus cute. Les chevaux, là, ils vont même te laisser des petits souvenirs à terre. Là. Ça va rendre plus périlleuse notre descente. C'est pas dans le monde. Je savais pas qu'il passait ici tant. Il me semble. Eh man, tu sais, comment qu'on est comme proche du bord ici. Fresh. Fait que c'est ça, la trail, elle passe en bas. Puis elle passe jusque dans une grotte qui passe à travers la montagne. Puis cette trail-là se rend jusqu'en bas du canyon. C'est une longue trail. On n'a pas le temps de la faire au complet. Parce que c'est quand même un aller-retour, c'est une journée quasiment complète. Mais c'est quand même spectaculaire. Bon, ben, bien, on va faire nos adieux au Grand Canyon pour aujourd'hui. Fait qu'on va reprendre la route et on va s'en va à Los Angeles puis après ça San Francisco. Fait qu'on s'en va vers la côte ouest. Fait que bye bye Grand Canyon, ça fut un plaisir. On va s'ennuyer. We'll be right back.
Fait qu'on est dans une petite ville qui se nomme Seligman, qui semble carrément venue du passé, là. Qui est vraiment, là, encore aux couleurs de la route 66. Puis on a trouvé un petit gift shop qu'on va aller voir. Par curiosité, qu'est-ce que ça a de l'air. Hey, regarde, c'est Cars! C'est Flash McQueen! Ciao! Regarde ici. Oh, you like these? Ah ouais, regarde, c'est ça. Ouais. Hey, c'est vraiment nice. Oh wow. Il y en a du stuff. On a acheté des petites choses, hein? C'était bien, hein? Oui, c'était vraiment bien. Ouais. Super accueillant, chaleureux. Ils ont vraiment des belles choses, pas à des prix exorbitants. Là. C'était vraiment ouais. Correct comme place. La propriétaire, super. Oui. Puis organisée, tu as dit, c'est le mot que tu as utilisé. Elle a un dépliant sur leur magasin. Et elle le traduit en plusieurs langues, comme ça, peu importe d'où que tu viens dans le monde, elle a la prochaine de traduire. Oui, oui, oui. Donc, français, il y en a une en français. Oui, vraiment bien. Puis la ville aussi est bien. C'est, vous voyez là, tout, je sais, okay. Tout est à l'image de la route 66. Il y a un petit garage. Ici, il y a comme un autre magasin, gift shop, sorte de choses. Là, on retourne à notre tour. Donc ici, on est dans le quartier à ma tante Joanne et mon oncle David. Et c'est ici qu'on passe les trois prochains jours. Ça, c'est nos hosts chaleureux. Donc, c'est Game Night. Allô! Bonjour! Allô! Allô! Hi, David! Hi, bonjour! Hi. Bonjour, hi! Bonjour, hi! I'm busy. Joanne, bonjour, non?
Joanne and Michelle, bonjour. A very busy David. Yes, busy. Yeah. Frank was behind. Hi. Oh, Francois. And then yeah. I'm waiting. C'est pas François, c'est François. François. Just Frank is good too. Okay, Frankie. Fait que, Joanne, peux-tu nous dire à quoi qu'on joue? On joue au Mexican Train Domino. Is it Domino Mexican Train? No, Mexican Train. Train no. Domino. Dominoes. Yeah. And we're really having a good time, especially because I just won. Just a gagné. Because c'est vraiment un bon jeu. And I was in really bad shape. Yeah. Well, it's been enjoyable to have Jennifer and François to our home. So I'm glad you guys honored us with your presence. Wow. Okay, yes. My thank you for having us. Well, of course. Yeah. And we want you guys to come back. Thank you so much, guys. Yeah. We want you guys to come Puis back. Puis Joanne, tu vas être où dans 3 jours? À Montréal. Je retourne, je vais enfin voir ma sœur. Give her a big hug. Yeah, mommy, you have to follow this channel. Yeah. All right. Well. Ciao. Bye.